suis responsable d'un service d'accompagnement psychologique et social. Notre rôle est d'accompagner les adhérents lorsqu'ils présentent une fragilité. Notre service intervient auprès des aidants et des aidés à chaque moment de leur vie. Lorsqu'un adhérent se retrouve en situation d'aidance, il va contacter l'assistance de sa mutuelle. Il va être accueilli par un chargé d'assistance qui va évaluer ses besoins. Et lorsqu'il détecte un besoin, une fragilité qui dépasse les prestations d'assistance financière, il va orienter cette personne vers notre service auprès d'un professionnel, un assistant de service social ou un psychologue qui sont internalisés dans notre service. L'accompagnement se fait à distance. Lorsque la personne contacte notre service, nous effectuons un entretien exploratoire, c'est-à-dire un bilan psychosocial. Nous allons mettre en place avec l'adhérent un plan d'action, c'est-à-dire voir quelles aides sont possibles en fonction de sa problématique. Nous pouvons déclencher des prestations d'assistance en fonction de leurs besoins. Ça peut être de la garde de nuit pour permettre à l'aidant d'avoir des solutions de répit, des heures d'aide à domicile. Ça peut être trouver une solution de vacances adaptée pour l'aider, de façon à permettre le répit de l'aidant. Au-delà des prestations d'assistance, l'humain est au cœur de nos préoccupations. Chaque situation est unique. Nous allons nous adapter à ses besoins. Nous allons prendre en compte la situation globale de l'aidant, de son proche, pour pouvoir l'accompagner au mieux. C'était Parole d'expert. Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif.